Voilà. Bonsoir, bonsoir. C'est le Exterminator. Voilà. Donc, trop parler peut tuer. On va pas beaucoup parler. Mais Jérémy Joe Dalton, d'après tout ce qui s'est passé, il me menace. Mais GG, je te l'ai dit, que tu sors du groupe ou tu rentres du groupe, où ça regarde que toi. Je te passe le toit pour que les gens ils entendent. On a vu aujourd'hui qui tu es. Tes techniques, on a compris. Voilà, il fallait que je démarre. Si je n'aurais pas démarré ça, on n'allait rien voir. Fallait que je démarre pour que tu puisses toi-même te dévoiler, de te montrer et de montrer qui tu es. Et les gens qui ont l'œil peuvent voir qui tu es. Je te l'ai dit. Il y a trop de choses que tu as fait dans le noir. Trop de choses, les gens ne te connaissent pas. Les gens qui te connaissent sont d'accord avec moi parce qu'ils savent qui tu es. Et je te l'ai dit. Ouais. Que tu demandes pardon à Yves Levent. Que tu parles de lui. Aujourd'hui, tu veux nous montrer que oui, tu as un contrat avec Netflix et naturel. Les blablabla, tu peux l'avoir. Ça fait, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas arrivé aujourd'hui. Tout ça, c'est. Tu crois que tu es intelligent, que tu es plus intelligent que tout le monde. Ok, comme par hasard, c'est aujourd'hui là, c'est arrivé. Comme par hasard. Hey, tu sais pas, tu es un rigolo, la vérité. Jérémy, tu es un rigolo. Les dragons, c'est nous, nous, on est là, nous. On est là. Tu vois ce que je veux dire? Fais ce que tu as à faire. Faire ce qu'on a à faire. Tu peux pas, tu peux plus nous empêcher de faire quoi que ce soit. On a des dragons. Parce que tu n'es pas le chef des dragons. Tu n'as jamais été le chef des dragons. Et tu ne seras jamais le chef des dragons. Tu es toi-même, tu es maître de ton art martiaux, de taekwondo là-bas, dans ton club. Oui. Tu as fait qui? Tu as fait quoi à qui? Tu as fait quoi pour qui? Dans les dragons. Quand tu prends quelqu'un, c'est pour le descendre. Jamais tu as pris quelqu'un, tu l'as monté en haut. Tu l'as fait monter à un niveau. Je peux citer les noms et des noms et des noms. Chaque chose a son temps. Moi, tu me menaces? Oh. T'es un rigolo. La vérité, t'es un rigolo. Tu parles bien comme un politicien. Les politiciens, politiciens, tu parles, les jeunes t'écoutent, c'est sucré. Aïe, aïe, aïe. Nous, on a la bouche sale. Parce qu'on sait d'où on vient. Ouais, on sait d'où on vient. Je t'ai écouté tout ce que tu as dit. Tu veux laver l'esprit des gens? Tu veux laver l'esprit des frères? Maintenant, tu veux montrer autre chose. Pourquoi t'as pas montré tout ça? Il fallait que je démarre pour que tu viennes montrer certaines choses. Tu nous. Tu oses dire que tu ne dois rien. Pourquoi tu es dans le groupe et tu nous montres que maintenant, voilà ce que tu es, voilà ce que tu es en train de faire. C'est Black Dragon section kamikaze. Pourquoi tu veux interdire Bolema de faire son truc? C'est pas cohérent, c'est quand même bizarre. Tu veux que je te dise ce que tu caches? Je vais aller pas à pas. Là, je ne vais pas tout vous dévoiler. Voilà. On aura un rendez-vous de Black Dragon. Les gens ils vont savoir. On aura un rendez-vous sur Paris. Il y aura tout le monde. Les anciens qui veulent venir, ils viennent. Deuxième génération, troisième génération, quatrième, tout le monde, jusqu'aux dernières générations, ils seront là. Les gens vont voir qui sont les dragons. Parce qu'on se prépare. On va se préparer, on va s'organiser. Voilà. J'ai les choses va aller pas à pas. Je veux dire les choses doucement. Je ne vais pas tout dévoiler. Mais Joe, on te connaît aujourd'hui.
On sait qui tu es aujourd'hui. Si tu ne veux pas que ça se gâte, demande pardon à tous les dragons, à tout le monde qui t'a insulté. Parce qu'on ne peut pas te laisser toujours toi, 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 toi. Tu nous apportes quoi? Tu nous apportes quoi? Et encore, on te laisse, on est derrière toi. On te défend. Tu es qui? Tu n'es pas Dieu. Tu es un être humain comme nous. Ok? Tu ne peux pas nous frapper. Et tu ne peux pas corriger aucun dragon. Et par le respect qu'on t'a donné, mais tu as abusé de ça. Et tu as profité de ça pour nous enculer. Il est temps que ça s'arrête. Alors je te l'ai dit, le Exterminator, Black Dragon, je te l'ai dit. Je t'ai dit, moi, quand je suis arrivé, 80-90, tu n'étais pas là. Ajax, Nike, Mike, Tyson Delong, il y en a plein. Je n'ai pas cité aujourd'hui. Kofi même était là. Incroyable. Ben même était là, mais toi, tu t'es où? Hein? Tu parles de Parigo. Aujourd'hui, tu parles de Parigo. Tu parles de Parigo. Quand tu as fait tes trucs, tu as parlé de Parigo, toi. Tu vois ce que je veux dire? Il s'en branle, il est dans son truc. Parigo n'a jamais parlé des dragons, il fait son truc et voilà, voilà. Parce qu'il a compris, tu vois, j'ai pas besoin de parler pour parler gros. Parce que voilà, aujourd'hui, tu parles de Parigo, oui. Tu vois, tu cherches maintenant d'autres personnes que tu les as jamais honorées, jamais. Au contraire, tu parlais mal. Ils n'étaient pas dragons. Non. Aujourd'hui, t'en lâches. Voilà. Les gens qui t'ont soutenu dans ton combat, en fait, c'était un combat personnel, mais tu n'as jamais osé le dire. Parce que ce que tu devais deviner, tu ne l'es pas. Et ça te fait mal jusqu'aujourd'hui. Tu vois, tu as trop eu de blessures dans ta vie privée. On ne mélange pas les choses. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Jamais, j'ai pas aimé. Tu m'as eu au téléphone, tu m'as dit quoi? Tu m'as eu au téléphone, tu m'as dit quoi? Tu veux que je répète? Mais ça va venir tout ça. Voilà. Il ne faut pas être lâche. Il faut être un bonhomme. Un bonhomme n'a pas d'orgueil. Un bonhomme, c'est quelqu'un qui arrive à dire pardon quand il blesse. Pardon quand il a fait du mal. Il s'excuse. Et t'as le blabla dans ta bouche. Et tu veux me défier, moi. Tu veux me lancer un défi. Tu veux me menacer. Moi, je viens d'une famille royale, on ne me menace pas. Voilà, je suis un enfant de Dieu, on ne me menace pas. Sache-le. Soit tu es avec moi, soit tu n'es pas avec moi. J'aime ma famille. Ok? Si je me suis retiré, c'est pour me préparer. Parce que c'est quand je vais revenir, j'apporte ma famille. Et où je suis, tu ne m'as pas aidé dans quoi que ce soit. Je ne t'ai jamais rien demandé. Quand je t'ai appelé, c'est pour t'amener des affaires pour que toi aussi, ça peut aller pour toi. Je n'ai pas demandé de l'aide. Parce que je te connais. Mais j'ai toujours eu de l'amour pour tout le monde, même pour toi. Malgré ce que tu faisais des fois que je n'aimais pas. Quand quelqu'un commence à faire quelque chose, tu viens, tu boycottes. Je te mets devant. On a compris ton vice. Mais la dernière génération de Black Dragon, les Clovis, tout ça, qui ne te connaissent pas vraiment, nous, ils ne savent pas réellement qui tu es. Et ma génération, les gens, même les anciens, de ta génération te connaissent. Mais ils n'ont pas le parler parce qu'ils n'ont pas le temps. Si tout le monde parle, Joe, tu vas te cacher. Mais si tout le monde parle, Joe, tu vas te cacher. Je te dis la vérité. Si tout le monde parle, tu vas te cacher. Tu vas même plus sortir de chez toi. On en a pitié. Voilà. Voilà. Moi, je suis un homme, j'ai de l'amour. Mais quand le frère déconne, tu déconnes. Tu ne vas pas te lever, m'envoyer un message en me menaçant en parabole. On dit le diable se déguise en Prada. On sait qui est le diable. Tu t'es déguisé. Ok? Le pardon, là, tu vas le demander, tôt ou tard. Tu penses que toi, tu es Dieu, tu n'es pas Dieu. C'est Dieu, je te dis, c'est Dieu qui nous a créés. On est poussière. Ok?
Moi, je suis un enfant de Dieu, je sais d'où je viens, je sais dans quelle famille je viens, je sais qui je suis aujourd'hui. Je sais ce que je dis. Je fais attention à ce que je dis. Je peux faire des fautes. Et si j'ai fait des fautes, on me dit, je fais une faute. Excuse-moi, les gars. Parce que j'ai de l'amour pour mes frères. Je suis un gars de la rue. Voilà. Ma vie a été dure. Si je suis arrivé aujourd'hui, que je dois dans une maison de 300 000 euros, tu vois ce que je veux dire? J'ai galéré. Je n'ai pas eu au nom de Black Dragon. Si j'aurais eu au nom de Black Dragon, j'aurais vendu pour partager. J'aime le monde, j'aime mes frères, j'aime ma famille. Parce que la famille, l'union fait la force. Quand tu vois les Arabes, regarde, tout ce qu'ils sont en train de faire, ils les font en famille. Tu vois les Turcs, ils sont en famille. Tu les vois, les Hindous sont en famille. Nous, on est quoi? On est divisés parce qu'on veut toujours être lui. Je veux, moi, je vais être à la tête, je vais être à la tête, je vais être à la tête. T'as vu notre génération? La deuxième génération BDJ? Est-ce qu'on t'a entendu parler d'un chef? Voilà, tu nous as utilisés. Et je ne mens pas. Voilà. Il faut arrêter. Tu ne menaces pas à moi. On ne menace pas les exterminators. Voilà. Tu comprends? Parce que tu me menaces, tu comprendras. Ma voix que tu vois là, tu me vois, ma voix, c'est ce qui sort de moi. Il y a des choses que je ne peux pas t'expliquer. Voilà. Ok? Si tu me vois là, je viens de très loin. Je viens de très loin. Tu vois? Tu ne peux pas t'élever toi comme ça aujourd'hui, tu t'élèves et tu vas venir me menacer. Parce que tu ne me connais pas. Tu as bien dit, tu ne m'as pas formé. Tu ne peux pas me former. Parce que quand tu es venu me trouver, j'étais déjà dans la rue, moi, déjà. Tu ne sais même pas qui je suis. Ce n'est pas le respect. Voilà. Et dis-toi qu'il y a, parmi tous les grands, personne ne m'a manqué de respect. Il y en a une qui va essayer de manquer de respect. Il l'a vu. Il l'a vu. Parce que je respecte. Voilà. Tu peux voir les gens, mais on ne se ressent pas. Voilà. Dis-toi, on ne se ressent pas. Joe Dalton. Tu t'appelles Joe Dalton. Tu t'appelles Joe Dalton. Tu sais, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Quand c'est fini, c'est fini. Nouvelle ère va commencer. Fais ce que tu as à faire. Arrête d'emmerder le monde. Ok? Tu n'es pas un chef. Tu ne seras jamais un chef. C'est ça que tu as voulu ça depuis des années et des années. On te l'a accordé, mais tu n'es pas un chef. Tu n'as jamais été le chef de Black Dragon. Je suis un Black Dragon, je l'ai dit. Tu n'as jamais été chef de Black Dragon. C'est lui qui a formé les Black Dragons. On le sait, les Black Dragons, on le sait, c'est Yves Levent. Tu l'as dit de dire que tu t'as donné maintenant. On était à la défense. Tu l'as téléguidé. Sinon, lui-même, il avait même oublié les Black Dragons. Il a formé les Black Dragons. On est venu le junior, le Black Dragon junior. On a mis en place. On n'était pas là. Et ça a réveillé les dragons. Ok? Quand les dragons, ils dorment et les enfants, il a couché les enfants, ils font quoi? Ils grandissent et quand les enfants ils dansent, ils mettent des bandes de musique. Ah, maintenant le vieux s'élève, il dit ah, c'est mes enfants ça. Et il vient, il danse. Il dit ah oui, là, vous m'avez réveillé. C'est ça qu'on a fait. Tu n'as pas été honnête. Voilà. Tu veux tout mettre sur ta tête. Tu n'as pas été honnête et tu veux tout mettre sur ta tête. Voilà. Ok? Donc, il faut arrêter. Tu vas arrêter. Fais-le ton film. Tu veux montrer, oui. Netflix, qu'est-ce qu'on s'en branle? C'est de quoi je parlais des codes. Même ta propre famille, tu leur manques de respect. Alors, c'est pas nous, tu vas pas encore manquer de respect. Alors, tu nous manques de respect hors du temple. On s'organise, on va s'organiser. C'est pas l'argent qui manque. Voilà. Je te l'ai dit, moi. Alors, ton cinéma que tu fais, ton cinéma,
que tu fais. C'est du cinéma que tu es en train de faire. Les gens ne savent pas. Ok? Je suis ton médicament, moi. Tu as intérêt à te calmer et demander pardon. Que les choses se règlent. Parce que tu ne sais pas. Je te dis une chose. 2006, quand j'ai fait l'invention, Lucien sait un peu de l'histoire. Parce qu'il m'a amené sur les Champs-Élysées. Comme je dis, je ne peux pas te mettre tout en sucre, Lucien. Il a fait quelque chose pour moi. Je suis reconnaissant, je parle de lui. Il m'a dit, comment? Pas te permettre d'insulter Homs, le gars de la défense. Je ne peux pas te permettre d'insulter Boleman. Non. Je ne peux pas te permettre de dénigrer même des petits. Non. On les a formés. Ok? Toi, c'est dans la bouche. Parce que tu parles, ta bouche est très sucrée. Comme Macron et Sarkozy. Ils sont où? Sarkozy est où aujourd'hui? Il n'est plus au pouvoir. Quelqu'un d'autre. C'est comme ça la vie. Tu es dictateur? Il faut arrêter. Fais ta vie. Lâche-nous. Laisse-nous faire nos trucs. J'essaie de bloquer notre route. Tu vas comprendre. Voilà. Soit tu es avec nous, soit tu n'es pas avec nous. Fais ta vie. Qui t'essaie de bloquer un dragon, de faire un truc, un film dragon ou quoi. Mettons, s'ils veulent faire des trucs dragons, qu'ils viennent nous voir. On est là. Maintenant, tu vas essayer de chercher d'autres personnes. Tu vas aller manipuler, aller pleurer. Yves Levent, pardonne-moi. Nanana. Personne ne peut nous dire quoi que ce soit. Ok? Je suis avec notre génération. Je suis avec la nouvelle génération. On est ensemble. Il est temps que ça change. On veut du changement. On veut bâtir. On veut que la famille soit, qu'ils sachent ce que la deuxième génération, que soit la première génération, qu'ils sachent la vérité dans le dragon. Qu'ils sachent qu'on dit qu'on parle des gangs, c'est des gangs. C'est-à-dire pas des Bruce, Crips, bro. De Bruce qui parle de oui, il parle de gang. Donc quand tu parles de gang, Black Dragon, parle de arts martiaux si tu veux. C'est de quoi le mot gang? Quand on parle des hommes, tu dis non, pourquoi pas? Mais attends, c'est quoi? Tu veux montrer quoi toi? T'es l'ange? T'es sur terre, tu n'es pas l'ange. Arrête de vendre des rêves aux gens. Ok? Voilà. Tu veux faire un film, tu fais ton film. Sinon, on veut faire notre film, on fait notre film. C'est une famille. On a des règles. Quand tu es dans la rue, quand il fallait tirer sur quelqu'un, tu disais pas non, il ne faut pas tirer. Quand il fallait que les gens tirent pour toi, tu disais pas non, tu dis allez tirer. Tu as déjà tiré sur quelqu'un? Il y a des choses que je m'énerve, je vais parler. Trop de monde dans la merde. Mais tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne sais pas ce qu'il y a demain. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Que Dieu veille sur nous, que Dieu veille sur toi. Mais, voilà. Parce que tu as trop fait des choses. Parce que je n'ai pas envie d'en parler. On m'appelle. Parce qu'il faut que quelqu'un déclenche quelque chose. Il faut qu'on déclenche pour que ça s'arrête. Tu es trop dans le noir. Tu es trop dans le noir. Trop de choses. Tu es rempli de trop de démons en toi. Tu veux me défier, moi? Tu veux me défier? Au lieu que le secret, au lieu que de te calmer, de demander pardon pour que, voilà. Tu reprends, je dis, tu sais, c'est quoi le mot gang? Ce mot la rue? Tu sais ce qui se passe? Même, il y a des chefs de la rue. C'est ce qu'on les a fait? Pourtant, ils étaient chefs. Tu sais que le. C'est que. Malgré qu'ils étaient chefs, c'est ce qu'on les a fait? Parce qu'ils ont la déconné? Quand l'équipe s'énerve là, c'est autre chose. On fait ça en diplomatie pour que tu arrives à comprendre qu'il faut qu'il ait temps. Que tes démons en toi, il faut que ça part. Ok, il y a des choses que je ne vais pas parler. Mais si tu m'énerves, je vais parler. On fera même des films. On n'a pas besoin de toi. Tu vas bloquer personne aujourd'hui. Ok, si on veut faire, on sait. On sait comment, on sait qui. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont derrière. Tu vas venir nous bloquer sur quoi?
Tu es qui, toi, Jérémie? Tu es qui? Tu es qui? Dis-moi, toi, t'es qui, toi? Toi, t'es qui? Toi, tu es venu menacer le exterminateur? Tu as menacé, toi? Tu connais ma vie? Tu sais où je suis passé? Tu sais comment j'ai survécu? Dans des guerres. Il y en a qui savent. Ok? Tu sais comment je suis arrivé où je suis? Tu sais comment je suis arrivé à la Défense? Tu sais comment on a formé Black Drago Junior? Tu viens me parler de quoi, toi? Tu fais une connerie, tu assumes et puis tu dis la vérité. C'est ça un bonhomme. D'être un bonhomme, c'est ça un bonhomme. Demande pardon. Qu'est-ce qu'on va te faire? Tu mens et puis tu commences maintenant à nous montrer des trucs que tu as eu, Netflix et tout. Mais toi, tu nous montres ça, pourquoi tu nous as pas, t'as pas montré ça? Avant, tu cachais. Et quand Dieu t'est dévoué, quand Dieu a dévoilé, tu ne peux rien faire contre la voix du Seigneur. Donc on pète dans des trucs, des gangs, des things, mais Dieu, au milieu de tout, Dieu connaît notre cœur. Okay, on t'a trop laissé faire. Tu n'es pas un chef. Tu ne seras jamais chef de Black Dragon. Jamais. Tu es toi-même le chef de tes démons. Avant de te lever, de menacer quelqu'un, il faut connaître qui t'es en train de menacer. Tu ne sais pas qui tu as à faire. Attention à toi. On est ensemble. Voilà. Tu déconnes, on te dit. Si je déconne, qu'on vient me le dire. Si je vois que je déconne, les gars, pardon. Tu veux être sur les réseaux? On est sur les réseaux. Voilà. Tu t'es retiré du groupe? Parce que tu ne peux pas être dans le groupe. Tu ne peux pas assumer, tu ne peux pas accepter. C'est trop fort pour toi. Tu vas craquer parce que tu n'es pas un bonhomme. J'ai d'autres choses à faire. Je suis toujours à cette heure-ci, je suis assis. J'ai programme demain. Mais je suis là. Tu comprends ce que je veux dire? Ce n'est pas de l'amusement. On se prépare pour d'autres choses. Tu ne vas pas venir toi nous bloquer. Ce qui a été bloqué va être débloqué maintenant. 2022 va débloquer tout. Voilà. OK? Il y a des choses que je sais. Si je parle, je te jure, tu vas avoir peur. Il y a des choses que je sais. Si je parle, je vais dire non, ce n'est pas possible. Ah, Spawn, il faut que je le voie. Il faut qu'on parle pour que. Non, non. C'est comme ça. Mais si tu veux continuer, on va continuer. Tu vas me dire, ouais, il ne faut pas que je dépasse la ligne rouge, la limite, je ne sais pas quoi, rouge, parce que je ne sais pas quoi, tu ne mets pas de Tony, tu ne mets pas de. Arrête, s'il te plaît. Claque. Tu n'as même pas honte de me parler de claquer Tony. Ils ne m'ont rien fait, moi. Ils ne m'ont pas appelé. Et tu parles de maître. Un maître. C'est quoi le mot maître? Il y a des secrets qu'on ne dévoile pas. Des choses qu'on ne dit pas. Ça peut t'ennuyer. Tu comprends? Tu me parles d'arts martiaux. Les règles. Tu parles de règles? Quelle est le règle? Les Shaolin, quelle est le règle de la mafia? Quelle est le règle du gang? Quelle est le règle? Quelles sont ces règles que toi tu as, que tu peux, ça te permet de faire tout ce que tu as envie de faire, que tu n'as pas de limite. Quand mettons, tu es dévoilé, c'est à la chance. On n'est plus dans les années 95, 80, 90 ou 80 ou 80. Quand toi, mais tu sais, ou les années 95, hein? Sinon, il y a des. Tu sais comment ça se passe, hein? Tu sais comment ça se passe. Tu sais comment ça se passe. Il y a beaucoup de gens qui t'ont sauvé. Parce que tu penses que tu es qui? On te laisse parler, on te laisse dire tout ce que tu as envie de dire. Mais Joe, tu n'es pas un chef. J'ai dit oh, toute la France. Les chefs, ils sont là. Nous-mêmes, on est tous des chefs. Des Black Dragons. On a notre vécu. On est toujours là. On est nombreux, on est beaucoup. Et la nouvelle, la dernière génération qui sont là, ils sont prêts. Avant, la troisième génération, ils sont là, ils sont prêts. Il faut qu'ils bouffent, il faut qu'ils mangent. Voilà.
On fait des vraies choses pour tout le monde. Ceux qui veulent aller, ils vont venir. Ceux qui ne veulent pas, qu'ils restent assises. On propose et Dieu dispose. Celui qui veut venir, il vient. On ne cache rien. Toi, tu veux cacher. Maintenant, c'est chaud. Tu veux commencer à montrer maintenant. On s'en branle. Maintenant, tu dis tu veux parler des BDJ dans l'intérieur. Maintenant, tu parles de ça maintenant. Pourquoi? T'es un traître, Joe. T'es un traître. T'es un traître. C'est tout qu'on soum-soum, tu le fais depuis des années. Hey, tu n'es pas un gars du terrain. Tu n'es pas un gars de la rue. Le code de la rue, tu ne le connais pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Tu es le porte-parole. Aujourd'hui, tu n'es plus le porte-parole de Black Dragon. Tu n'es plus rien. Tu es un Black Dragon si tu veux. Kamikaze si tu veux. Ok? Il reste combien de kamikazes? Il reste combien? Ils sont où? Je respecte ce que je connais. Mais tu ne sais pas faire les choses. Si tu savais vraiment faire le business, tu n'allais pas être où tu es. Tu comprends? Je t'ai déjà dit. Ta place n'est pas où tu es. Tu devais être un grand homme. Mais parce que tu as le cœur noir. Je te l'ai dit. Tu le veux ou pas, tu vas entendre. Mais si tu continues, on est là. Tu es sur le réseau, non? On va être sur le réseau. Et je vais en connaître la vérité. Voilà. Sur ce, mes amis, toute ma famille, voilà. J'ai à déclarer la guerre. C'est la guerre. De notre manière, on est comme ça. On est, nous, c'est nous les Black Dragons. Je suis un Black Dragon. Et je parle au nom de tous mes frères et tous les petits. Mais si ça continue comme ça, il y a des choses que vous n'allez jamais savoir. C'est ce que les autres aussi ont fait. Vous devez savoir l'histoire de chacun. Pour comprendre qui sont les Black Dragons, tout ce qu'ils ont fait depuis des années et ce qu'ils continuent à faire.